Coucou les amis, c'est Nat. Voilà, je suis accompagnée de Rikiki ce matin pour la vidéo des énergies du milieu de semaine. Il est très tôt, elle est venue manger ses petites croquettes. Et puis là, elle a décidé de se mettre sur la couverture et de me mordre, n'est-ce pas? Ça, c'est Rikiki, elle aime bien jouer et des fois elle fait mal. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour les énergies du milieu de semaine, donc comme je le disais, elle me perturbe cette minette. Et donc on va faire ce tirage avec Paprika de nouveau. Voilà, donc vous avez jusqu'au 21 juin pour le commander, pour ceux qui le souhaitent. C'est une édition qui est limitée et éphémère, hein, puisque elle ne sera éditée qu'une fois en fait. Il y a un nouveau dos, il y a de nouvelles cartes. Alors, ma petite minette Rikiki est partie. Donc, on va commencer à mélanger les cartes. Et on va tirer donc la carte du jour qui est la clé. Ah, alors, hop, on va installer ça ici. Donc, aujourd'hui, c'est un jour pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent à vous. Donc la clé, elle représente un instrument que l'on va insérer dans une serrure pour ouvrir une porte. Alors je suis désolée, j'ai été perturbée par mes chats. Il y a Cookie qui est rentré. Et donc là, ça va plus du tout. Vous allez entendre peut-être des bruits ou des choses comme ça parce qu'elles aiment bien se bagarrer, n'est-ce pas? Ce sont des sœurs bagarreuses. Alors donc cette carte de la clé, comme je vous le disais, elle apporte une solution. Ça signifie une solution qui est trouvée. Voilà, si vous cherchiez comment résoudre un problème, eh bien, normalement, vous allez arriver à trouver cette solution-là. Vous allez gérer les choses, vous allez prendre les choses en main. Ça peut aussi signifier quelque chose qui vient de la tête, parce que comme vous le voyez, la clé est entourée de violet, en fait. Et donc, c'est une couleur qui est très spirituelle, qui va être reliée pour certains au chakra du troisième œil ou alors au chakra couronne. Ça peut éventuellement parler d'un éclair de génie, d'une épiphanie en fait. Vous avez une révélation tout d'un coup, une idée brillante qui vous vient à l'esprit. Alors ça peut être par exemple pour un projet. Par exemple, si vous écrivez, tout d'un coup, le syndrome de la page blanche va disparaître, par exemple. Vous allez avoir un flot d'inspiration qui va venir. Si c'est financier, eh bien, la rentrée d'argent que vous attendiez tant va arriver et du coup, bah, forcément, ça va vous aider. S'il s'agit de n'importe quoi d'autre, vous allez arriver à démêler les choses qui demandent à l'être. On peut parler aussi d'une personne qui est importante, qui est la clé du problème, c'est-à-dire que ça y est, cette personne se manifeste et donc les choses vont pouvoir s'apaiser et se dénouer. Ça parle à la fois de choses qui sont essentielles, qui sont importantes et de choses qui le sont moins. Donc pour certains, ça sera des gros, gros, gros problèmes à démêler. Pour certains, ça sera des petites solutions qui vont égayer le quotidien. Mais dans tous les cas, ça nous parle bien de solutions trouvées. À chaque problème, il y a une solution. C'est un peu ça l'idée de cette carte de la clé, qui est une carte alternative du jeu parce qu'il y en a deux. Il y a une carte qui représente un crâne et qui s'appelle la solution, et il y a cette carte-là qui s'appelle la clé. Donc la clé, on la met dans la serrure et on ouvre une porte. Donc ça peut être aussi éventuellement des opportunités qui s'ouvrent enfin à vous. Vous avez attendu longtemps une réponse pour un emploi, par exemple. Eh bien, aujourd'hui, paf, la porte s'ouvre. Voilà, c'est tout ça, tout un panel qui nous est proposé avec cette carte de la clé. Donc, évidemment, ces énergies, elles influent sur le milieu de semaine, mais elles peuvent s'étendre un peu plus longtemps dans la semaine, hein, comme toujours. Voilà, donc ça complète la guidance qui a été faite, évidemment, vendredi dernier pour la semaine entière. Donc j'espère que ça vous apporte justement des solutions, que ça vous apporte un petit peu d'éclaircissement et que vous avez apprécié ce tirage. Moi, je suis toujours ravie de vous retrouver chaque mercredi. Je vous fais de gros 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 bisous. Je vous retrouve très vite pour un vlog sur le Witchy. Ça y est, je vais pouvoir le faire. J'ai enfin reçu les pochons. J'ai toujours pas les boîtes, mais les pochons, oui. Donc je vais pouvoir vous faire quand même une présentation complète du jeu, du mini et du grand. Je vais vous retrouver aussi bientôt pour un vlog que je vais préparer dès que je peux sur les jeux que j'aime associer. Ça sera une deuxième partie. J'avais déjà fait un vlog comme ça.
mais j'ai eu envie d'en faire un autre en fait, parce que j'ai trouvé d'autres idées entre-temps. Voilà, je vous ferai aussi un vlog sur l'avancée de mon tarot, parce que vous êtes très nombreux à m'avoir demandé où ça en était. Donc, je vais vous préparer ça aussi. Et puis, il y aura d'autres choses, d'autres présentations de jeux, guidance lunaire. Voilà, il y aura tout un tas de choses encore pour lesquelles on va se retrouver. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une autre vidéo des énergies du milieu de semaine. À bientôt, portez-vous bien. Bye bye!